Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Nord franc-comtois, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Voilà la parole que les apôtres ont entendue ce jour de l'ascension de Jésus, qui passait de ce monde au Père définitivement, ayant manifesté à l'Église naissante qu'il était réellement vivant, toujours avec eux, jusqu'à la fin des temps. Voilà que le Seigneur laisse ses apôtres comme orphelins, comme renvoyés à l'impossible, annoncer l'Évangile depuis la Judée, toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avec cette demande du Seigneur, allez annoncer l'Évangile à toutes les nations, baptisez-les. Le Seigneur a envoyé ses apôtres en mission. Ils ne devront plus le chercher comme ils l'ont cherché jusqu'à maintenant. Ils devront le chercher par l'œuvre de son Esprit dans le monde. L'Esprit Saint qui est là, toujours avec eux, avec nous, jusqu'à la fin des temps. Cet Esprit que nous cherchons irrigue la terre entière, conduit l'humanité à son accomplissement. C'est la promesse que le Seigneur nous fait et nous en sommes réjouis, heureux et peut-être aussi inquiets. Alors n'oublions pas cette parole qui est au fronton de nos églises en ce 40e anniversaire de notre diocèse. Vous allez recevoir une force. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Allez, je vous envoie. Cette parole, nous l'avons eue sous les yeux tout au long de nos célébrations. Nous la retrouverons bientôt dans nos églises. Elle nous redit que le Seigneur nous envoie là où nous habitons, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, que nous devons réinvestir après ce temps de confinement qui nous a sans doute chahutés, bousculés, qui peut-être nous fait redécouvrir nos collègues autrement, nos proches autrement. N'oublions pas cette parole de bénédiction qui nous accompagne, parole du Seigneur qui nous vient du ciel. Que nous puissions, au cours de ce temps qui nous est donné jusqu'à la Pentecôte, regarder ce monde avec amour. C'est là que nous sommes envoyés. Que nous puissions regarder tous ceux avec qui nous travaillons, avec qui nous vivons, comme ceux avec qui le Seigneur nous dispose, nous met, nous place, pour que l'Évangile soit annoncé. Qu'au cœur de ce monde, nous puissions faire monter cette prière incessante. Viens, Esprit Saint, viens remplir nos cœurs de tes dons, allume en eux le feu de ton amour, fais-nous rayonner de ton Évangile. Chers amis, je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension.